Allons à la rencontre du Seigneur. Allons à sa rencontre, il nous appelle. Allons à la rencontre du Seigneur. Allons à sa rencontre, il nous attend. Allons à la rencontre du Seigneur. Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. J'en suis sûr, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Attends le Seigneur, sois fort et garde courage. Attends le Seigneur. Au début de cette Eucharistie, préparons-nous à rendre grâce au Seigneur et prenons conscience de nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Cette messe est célébrée aux intentions de Marie-Claude Fabien-Jean, Elsie Henriques et Nide Croix-Main. Elle est également célébrée aux intentions de Jocelyne Pierre, la famille Bayas, aux intentions de Charles Mess, la famille Turel, la famille Vertus. Elle est célébrée aux intentions de Jessie Nicolas, Yolette Lissade et aux intentions de Fabiola. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen. Amen. Lecture du livre des Nombres, chapitre 21, versets 4 à 9. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne par la route de la mer des roseaux en contournant le pays d'Édom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit, « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple et le Seigneur dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet d'un mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse. Le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du psaulier, il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devaient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. L'homme élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Le Seigneur soit avec vous. Et avec
l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean, chapitre 8, les versets 21 à 30. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, « Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes dans ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, il lui demandait, « Toi, qui es-tu ? » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Chantons ensemble la louange de Dieu. Mes frères et sœurs, au pic de sa gloire comme écrivain, Rousseau a affirmé que l'homme est né bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. En fait, nous-mêmes parlons du monde au regard de la théologie, au regard de la Bible. Nous disons que ce monde est bon. C'est Dieu qui l'a créé. Et il vit que tout cela était bon. Mais il devient un monde mauvais comme l'homme de Rousseau quand il devient un monde sans référence à son créateur, sans référence à Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs, donnés par Dieu et par la nature, sur le chemin de notre vie, Dieu lui-même pose-t-il des signes de salut. Mais
il revient à nous de savoir les discerner. Comme les Hébreux, il nous arrive quelquefois dans nos souffrances et nos maladies, au cours de nos longues routes, à travers des lieux arides, de mettre en doute l'aide de Dieu. Il nous arrive des fois de remettre en question son existence, parce que dans notre pensée, Dieu ne doit pas nous laisser souffrir. Bon Dieu, pas doué quitter nous tenter. Bon Dieu, pas doué quitter nous souffrir. C'est ça qui nous entête nous. Cette façon de voir et de penser n'est pas sans conséquence sur nous. Elle nous attire des châtiments, nous punissant de notre incrédulité. Nous ne pourrons y échapper qu'en posant un acte de foi. Il nous suffira de tourner notre regard vers un signe qui annonce le gibet du calvaire, qui est source du salut universel, comme il est mentionné au missel de l'Assemblée pour la semaine, à la page 319. Dans la péricope du mardi de la cinquième semaine du carême, de manière voilée, Jésus annonce sa passion et son élévation sur la croix, tout en mettant en lumière, en évidence, son origine divine, sa nature divine. Jésus le crucifié est le révélateur de Dieu et le sauveur des hommes. Ainsi, mes amis, ces derniers sont frappés de mal, celui de leur péché, et ce mal est incurable, puisque par eux-mêmes, ils sont impuissants à renouer les relations rompues avec Dieu. Frémio axomio, nos structures, l'évangile Saint-Jean, nous essayons de comprendre que lit un peu dialiste, côté que, en pile fois, il parlait de lumière, et puis il parlait de ténèbres, il parlait de la mort, et puis il parlait tout de la vie éternelle, il parlait de en haut, et il parlait de en bas, il parlait être du monde, et ne pas être du monde. Oui, frémio, axomio, nous devons reconnaître que Jésus, c'est là qui existait. Nous devons mettre toute confiance nous dans lui. Nous devons croire dans lui. Gagner possibilité pour nous pas mourir dans péché nyo. Moyennant nous croire dans Jésus. Moyennant que nous mettons toute confiance nous dans lui. C'est exhortation ça. Saint Jean fait nous dans moment ça même. Côté lui a invité nous pour que nous capables croire dans Jésus, pour que nous capables échapper à la mort éternelle. Et conséquence la mort éternelle là, conséquence la mort, c'est péché ya. Oui, frémio axomio. Moi invitez nous pour nous capables de croire dans Jésus. Et dans l'évangile après-midi, il y a un bagage qui est important en pile. Jésus reconnaît que lui c'est un envoyé. Il reconnaît qu'il a été envoyé. Non sans ça, Jésus prend conscience que li pas mandant, mais li c'est mandataire. C'est bon Dieu papa
qui mandate li, qui bali yon mission. Kote ke li voye li, vini sauver nous tous et nous chaque. Jésus a invité nous tous pour nous prendre conscience que nous devons mettre parole liya en application parce que parole la dit nous yo, c'est vérité yo ye. Et parole li dit nous yo, c'est pas parole pâle yo ye, mais c'est parole bon Dieu papa, c'est parole mandant li, c'est porte-parole bon Dieu papa. Li, c'est porte-parole mandant. Et bon Dieu papa qui c'est mandataire, qui c'est mandant, li voyel bon côté nous qui c'est destinataire nous-mêmes cap recevoir parole là. Mandant li pas abandonné mandataire. Bon Dieu papa li pas quitté Jésus pour col. Mais li toujours voyez yeux sous lui. Et mandataire qui c'est Jésus, tout ça li fait que bon Dieu content. Nous même tout frère Maxime, nous inviter pour que nous capable faire que bon Dieu content dans tout ça n'a fait, dans toute activité n'a pas entreprendre, dans toute entreprise nous yo. Et chaque fois nous fait que bon Dieu content, nous mettre connait li pape quitter nous pour quand nous même gens li pape quitter Jésus pour col. Terminons en faisant cette prière évangélique tirée du missel de l'assemblée pour la semaine. Seigneur Jésus, toi qui es d'en haut et qui par ton exaltation est retourné auprès du Père, n'oublie pas ceux qui cheminent ici-bas. Accorde-leur de n'être pas du monde, tout en y assurant leurs tâches, qu'au terme de leur route, ils ne meurent pas leurs péchés, mais vivent éternellement avec toi, qui es pour les siècles des siècles. Amen.
Venons ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix et nous en attendons la grâce. Délivre-nous de nos fautes et dirige toi-même nos cœurs incertains. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire par la puissance de la croix. Apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Qui est la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand.
le mystère de la foi. Nous proclamons ta gloire, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy Mésidor, ainsi que son auxiliaire du Cange et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Monseigneur Poulard, et notre frère Père Simoli, Père Ronald, Marseille, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Nous implorons ta bonté sur Élouse Louis Jeune et famille, Marie-Claude Fabien Jean, Elsie Henriques, Eunide Croix-Main, Jocelyne Pierre. Nous implorons ta bonté également sur les familles Bayas, Jean-Charles, Chadic, Derali, sur Chalmès, sur la famille Turel, sur la famille Vertus. Nous implorons ta bonté aussi sur Jessie Nicolas, Yolette Lissade, sur Fabiola. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, l'esprit du Père et du Fils, l'esprit qui planait sur les eaux depuis la création de l'humanité, nous pouvons dire avec confiance la belle prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de ton mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets,
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Thank you.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours fidèle à ces mystères, afin de progresser de jour en jour vers les biens de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour incommensurable, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et qui était et qui vient, des siècles des siècles. Amen. Notre-Dame du perpétuel secours. Secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier. Protégez l'Église, bénissez le foyer. Notre-Dame du perpétuel secours. Secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier. Protégez l'Église, protégez notre foyer, bénissez nos enfants. Notre-Dame du perpétuel secours. Secourez-nous, secourez Haïti, secourez le monde entier. Protégez l'Église, bénissez nos foyers, bénissez nos enfants. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous marchons ensemble.